Bonsoir, très heureux de vous accueillir. Nous sommes étudiants à l'ESTRI dans le Master 2 en communication événementielle. Et nous sommes là ce soir pour vous accueillir dans cet événement exceptionnel qui est l'inauguration du nouveau campus Saint-Paul en cette rentrée 2015. Et oui Aurélie, effectivement c'est un événement exceptionnel. Ce soir vous êtes plus de 600 déjà dans cet amphithéâtre Alain Mérieux. Dans les amphithéâtres des étages supérieurs, cet événement sera également rediffusé. Il y a plus de 1500 personnes ce soir. L'événement est donc filmé en intégralité. Il est rediffusé dans l'entrée sur un écran géant et en direct sur le site internet où tout cet événement sera disponible en ligne par la suite. Oui, en effet, plus de 1500 personnes, français et étrangers, dont des étudiants qui viennent chaque année découvrir notre belle université depuis les quatre coins du monde. Et puisque l'Université catholique de Lyon se veut plus internationale que jamais, nous accueillons tout le monde comme il se doit dans les langues du monde entier. And so welcome indeed to everybody who came from far away to study in this great university, these brand new premises at St. Paul. Thank you for being here. Thank you for the inestimable added intercultural value you bring with you. And welcome to you all. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Cada uno de ustedes, estudiantes como profesionales, pueden disfrutar hoy de la nueva Escuela Católica de Lyon en sus nuevas instalaciones. Muchas gracias a todos por asistir a esta inauguración de este edificio estupendo y por formar parte de esta experiencia única e intercultural. Guten Tag und willkommen zu allen, die aus den deutschsprachigen Ländern herkommen, hier mit uns zu studieren. Danke für Ihre Anwesenheit. Und für die interkulturelle Mehrwert, die Sie mit Ihnen bringen. Willkommen in Lyon, willkommen bei uns und viel Spaß. Gentili signore e signori, studenti professionisti, sono molto onorata di porgervi un caloroso saluto a questa eccezionale inaugurazione. Ringraziamo per il valore interculturale che aggiungete a questa importante giornata. Bienvenuti a tutti e grazie infinite per la vostra partecipazione. Retrouvons le français maintenant et sans plus attendre, commençons ce programme chargé et divers qui nous attend en accueillant nos deux premiers invités qui sont déjà sur scène pour un mot d'accueil qui restera en français. L'un est recteur de l'Université catholique de Lyon depuis le 1er septembre 2011. L'autre est rectrice de l'Académie de Lyon depuis septembre 2012. Merci d'applaudir chaleureusement Monsieur Thierry Magnin et Madame Françoise Moulin-Civil. Vous doutez qu'un recteur dans une journée comme celle-ci est particulièrement heureux, très heureux de vous accueillir toutes et tous. De vous accueillir, vous aussi, cher Michel Serres, qui, resté assis, qui avait fait une bonne route depuis Paris et qui est présent et qui nous permettra certainement de découvrir beaucoup d'autres éléments de notre vie, vous qui avez cette expérience et qui aimez ce monde des jeunes. C'est aussi pour cela que nous avons demandé de faire cette conférence de la rentrée solennelle. Évidemment, en plus, vous êtes notre invité d'honneur en un jour où nous inaugurons, ça n'arrive pas tout le temps, un nouveau campus à la place d'une ancienne prison. Et ceux qui avaient pu visiter, sans être prisonniers bien sûr, cette prison jadis, savent de quoi nous parlons dans la transformation en question. Très heureux aussi de pouvoir, avec Madame la rectrice d'Académie, pouvoir être les deux voix de cette rentrée et merci aussi d'être à nos côtés, vous dont nous apprécions beaucoup le travail. Monsieur le cardinal, monsieur le préfet et puis tous ceux qui ont été préfets avant vous, ici monsieur le président du conseil régional, monsieur le député président du conseil départemental du Rhône, Monsieur le sénateur maire de Lyon, président de la métropole, mesdames et messieurs les élus, mon général, messieurs les représentants des corps constitués, messieurs les représentants des différents cultes, musulmans et juifs en particulier,
Messieurs et Mesdames les présidents et vice-présidents des universités publiques, messieurs les directeurs d'école, chers amis, bienvenue dans ce grand amphithéâtre Alain Mérieux. Alain Mérieux, et nous avons baptisé, si je puis me permettre, cet amphithéâtre il y a une quinzaine de jours. Et je pense que, cher Alain, ça vous fait plaisir car il est plein à craquer et il déborde même au-dessus et au-delà. Hein ? Bonsoir à tous ceux qui sont connectés justement dans les amphithéâtres juste au-dessus. Au-dessus de l'amphithéâtre Alain Mérieux, il y a l'amphithéâtre Aristote. Vous voyez que ça fait une moyenne dans l'histoire. Inaugurer, et puis on pense à ceux qui sont dans la grande rue, qui sont debout, et ceux qui sont aussi debout au fond, puisque nous débordons joyeusement, et c'est une bonne chose. Inaugurer le nouveau campus Saint-Paul, 10 ans après celui de Carnot, pour les 140 ans de notre Université catholique de Lyon. Et à cette occasion, nous publions avec les éditions Priva un magnifique livre avec plein de photos. On reconnaîtra peut-être pas tous les visages, mais on apprendra à les découvrir. Et vous pourrez avoir ce livre en regardant à la procure qui est juste dans la grande rue. Vous pouvez vous en procurer justement. Hein. C'est un... Je vais vous l'offrir. Je vais vous l'offrir. Nous sommes très heureux, Gilles Barrier, président de la FPICL, et moi-même, Gilles s'exprimera bien sûr tout à l'heure, nous sommes très heureux de vous associer justement à ces 140 ans, à cette inauguration. Nous avons une architecture transparente, c'est pour que les relations s'amplifient et les interactions nous permettent d'avancer fortement dans cette bonne ville de Lyon qui nous est chère à tous. Transformer un lieu d'enfermement en un campus universitaire ouvert sur le monde pour permettre à de nombreux jeunes d'y trouver la lumière du savoir, du savoir-faire, du savoir-être. C'était vraiment un défi audacieux, magnifique à relever, bien dans l'ADN de notre université catholique, me semble-t-il. C'est à la fois un défi architectural réussi, je crois. Je suis totalement partial, évidemment, en disant ça, mais je pense que je ne suis pas le seul à le penser. Marier des bâtiments du XXIe siècle avec ceux d'une ancienne prison complètement rénovée, il faut le faire. Un défi social aussi fort de transformation qui n'est pas fini. Nous avons à habiter ce lieu, bien sûr, et qui représente en même temps un beau défi qui est une véritable opportunité exaltante d'écrire dans ce quartier de confluence en pleine mutation une nouvelle page du catholicisme social et du catholicisme social lyonnais qui est si fort. La phrase de saint Paul dans son épître aux Galates que nous avons reprise bien sûr pour cette journée mais qui est pour nous un vrai chemin à accomplir, vous avez été appelés à la liberté, évidemment elle résonne d'une manière toute particulière en ce jour. Beau symbole du lien entre tradition et modernité, ce nouveau campus est essentiel, vous le comprenez bien, avec le campus Carnot, pour soutenir la nouvelle étape de développement de notre établissement, avec ses 5 pôles facultaires, ses 19 unités de formation et de recherche et ses 5 écoles professionnelles. D'habitude, je prends le temps dans les rentrées solennelles de décrire les nouvelles formations, je serai un peu plus court sur ce point ce soir, bien sûr, parce que la grande nouveauté, c'est Saint-Paul. La vie grande ouverte, ce projet de transformation des anciennes prisons Saint-Paul et Saint-Joseph, cette phrase, ce slogan dit bien ce que nous essayons de proposer avec beaucoup d'autres au sein de la communauté universitaire Lyon-Saint-Étienne, aux plus de 10 000 étudiants et auditeurs qui fréquentent en 2015 notre établissement, sans doute plus de 7 000 étudiants en formation diplômante à temps plein. C'est encore un peu trop tôt pour donner les chiffres définitifs, mais avec une croissance qui nous a permis de doubler ces effectifs-là dans les 10 dernières années. Nous développons de plus en plus de formations qui croisent science et humanisme porté par la tradition catholique et chrétienne. Que ces sciences soient économiques, juridiques, biologiques, psychologiques,
Des formations qui intéressent des jeunes bien au-delà du cercle catholique, et c'est important, pour la recherche du bien commun dans une société qui, vous le savez aussi bien que moi, a tant besoin de s'appuyer sur des valeurs fortes et solides. L'homme et la technique, évidemment des sujets qui nous passionnent, la responsabilité sociétale et bien d'autres domaines de la vie sociale avec l'humain au cœur. En ce sens, une tradition des universités catholiques, mais aussi, me semble-t-il, une tradition lyonnaise, avec la métropole de Lyon qui, pour nous, est un vrai terreau favorable pour vivre cette belle aventure de la formation dans la diversité des perspectives et dans la pluralité, les interactions. Ainsi, en cette année universitaire, se met en marche, par exemple, un nouveau projet pour notre école de management, l'ESDES, Horizon 2020, notre grande école de management, un projet qui croise dans la grande tradition lyonnaise là aussi, mais adapté au XXIe siècle, économie, management et humanisme. Ce projet a d'ailleurs vu un renouvellement pour 5 ans du titre de l'ESDES et pour 3 ans du grade master. Je pense aussi à la rentrée de la deuxième année de licence sciences de la vie que vous avez accompagnée, chère rectrice, et qui croise là aussi biologie et humanité et qui a de plus en plus d'étudiants avec des formations bioéthiques données de l'intérieur du parcours de biologie. Nous pensons aussi à de nouvelles formations de formateurs dans le domaine du social, avec cette fois un titre professionnel RNCP 1 porté par le département de psychologie en lien avec l'enseignement catholique. Notre établissement, avec son approche universitaire, apporte, grâce à tout son personnel, à ses étudiants bien sûr, une contribution originale au service de notre société moderne, au service commun de la formation. C'est notre désir, en interaction encore une fois avec tous les acteurs universitaires de Lyon-Saint-Étienne et bien au-delà, dans un esprit de dialogue interculturel, interreligieux, si nécessaire pour construire le lien social d'aujourd'hui. Le campus Saint-Paul offre pour cela, et nous venons de le visiter en partie, de nouvelles possibilités qui, je pense, sont magnifiques pour l'enseignement et la recherche, avec des laboratoires modernes, 70 salles de cours, 20 amphithéâtres, dont celui où nous sommes, de 507 places, une bibliothèque de 2200 m², des espaces de coworking, comme on dit en bon français, pour une mutation pédagogique avec une fructueuse utilisation du numérique pour un apprentissage du travail coopératif, une salle de sport dont la vue est imprenable, hein, et un restaurant, des espaces pour les associations étudiantes, et j'en passe. La grande rue intérieure sous-vert par laquelle vous êtes entré, qui traverse le campus de part en part, apporte beaucoup de lumière, et dans la célébration de l'Eucharistie ce matin, ça avait encore plus de sens, bien sûr. Transparence aussi, voulue, comme signe d'échange entre le monde et ce lieu de l'Université catholique, et ouverture. Elle est une invitation à la rencontre de l'autre, en ce jour d'inauguration tout particulièrement, bien en lien avec la lumineuse chapelle Saint-Irénée au deuxième étage qui rayonne du tout autre. Merci à tous nos partenaires dans ce projet institutionnel, entreprise, particulier. Sans vous, nous n'aurions pas pu le réaliser. Et le général Barrier en dira plus tout à l'heure dans sa propre intervention. Avant que Michel Serre ne nous parle d'innovation et d'ouverture, c'est vraiment à propos pour aujourd'hui. Je tiens encore à remercier chaleureusement notre rectrice d'académie, Madame Moulin-Civil, dont, je l'ai dit, nous apprécions le travail qui nous permet justement de vivre cette interaction avec l'ensemble du monde universitaire Lyon-Saint-Étienne et à qui je céderai, mais après que vous l'ayez réintroduite, hein, voilà, je ne vais pas prendre votre boulot, la parole extrêmement volontiers. Merci à tous d'être là et de votre soutien. Monsieur le préfet de région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, monsieur le cardinal, chancelier, évidemment, de l'UCLI, monsieur le sénateur maire, président de la métropole de Lyon, monsieur le président de la région Rhône-Alpes, monsieur le président du conseil départemental du Rhône,
général, président de l'Association des fondateurs et protecteurs de l'Institut catholique de Lyon. Monsieur le recteur, cher Thierry Magnin, mesdames et messieurs, je vous salue tous, naturellement, en vos titres et qualités. Je vais abréger un petit peu le salut protocolaire. Mais je saluerai néanmoins les étudiants qui sont présents dans la salle et en particulier ceux qui, tout à l'heure, ont fait cet accueil si chaleureux. Je suis extrêmement heureuse d'être associée et de m'associer à l'inauguration du campus Saint-Paul sur, bien sûr, le site des anciennes prisons Saint-Paul et Saint-Joseph. Heureuse, naturellement, en tant que rectrice chancelière des universités, mais pas de celle-ci. Il faut que ce soit dit et rappelé. Vous vous arrangerez avec le cardinal. Monsieur le cardinal, vous m'en voudriez beaucoup. Voilà. Comment oublier, évidemment, qu'en 2009, voilà, ces anciennes maisons d'arrêt pour hommes, d'ailleurs, ont été fermées. Comment oublier que, finalement, voilà, l'État a décidé de lancer, début 2010, un appel à projet de réhabilitation qui a, d'une certaine façon, imposer la sauvegarde de ces bâtiments, bien sûr avec une autre destination, mais la sauvegarde de ces bâtiments et donc du patrimoine, bien sûr, architectural des lieux. Donc je crois que c'est une première action à saluer et le fait que les parties les plus remarquables, bien sûr, de ces édifices anciens aient été conservées. Et c'est vrai que c'est ce projet intitulé « La vie grande ouverte » voilà, moi, le nom du projet, évidemment, m'a beaucoup impressionné et plu. Donc, c'est bien ce projet intitulé « La vie grande ouverte » qui a été retenu par le préfet de l'époque. Donc, on était, évidemment, en novembre 2010. Je crois que l'on peut se réjouir que ce projet novateur, vous l'avez rappelé dans vos propos, monsieur le recteur, vise à favoriser la mixité sociale, la mixité générationnelle aussi, le dialogue, évidemment, puisque, voilà, il y a d'implanter dans les îlots voisins des appartements en accession, des appartements locatifs, des logements sociaux aussi pour étudiants, pour personnes âgées. Et je pense que là est réalisée naturellement une grande partie du projet. Saluons également aujourd'hui l'aboutissement de ce projet ambitieux qui a donné naissance sur le site Saint-Paul, donc à ce vaste ensemble que nous avons eu la grande chance de visiter il y a quelques instants. Et je crois que nous avons toutes et tous étaient extrêmement impressionnés, non seulement de la beauté des locaux, mais aussi, évidemment, de la façon dont ils ont été conçus. Pour l'enseignement, vous allez me dire, ça va de soi. Pour la recherche, ça va de soi. Mais pour un enseignement et une recherche vraiment du 21e siècle. Et je pense que c'est à saluer. Comme on va entendre parler d'innovation, je tenais évidemment à le souligner. Alors c'est vrai que dans un passé proche, ce site était un espace fermé, constitué en prison. Il est aujourd'hui, vous l'avez rappelé aussi, un campus ouvert sur le monde, vous avez dit, sur la cité aussi, c'est extrêmement important, sur la diffusion de la connaissance et des savoirs qui restent, je crois qu'il est aussi utile de le rappeler, les meilleurs remparts contre le repli sur soi, contre l'obscurantisme, ainsi que contre toute forme d'exclusion. C'est un défi quotidien auquel l'université, dans son universalité précisément, bien sûr c'est un défi quotidien pour elle et qui mérite notre mobilisation commune. Aussi je ne peux que saluer l'énergie de toutes celles et ceux qui ont œuvré à la réalisation de ce beau projet. Je voudrais aussi ajouter quelques mots et je serai tout à fait là dans mon rôle, sur la place de l'Institut catholique dans le paysage, voilà, qui est un paysage mouvant, mais qui est aussi un paysage qui est en train de bien se constituer, de l'enseignement supérieur du site Lyonno-Stéphanois. Il faut bien sûr jamais oublier que Saint-Étienne est aussi dans cette grande communauté d'universités et d'établissements du site, donc l'Université de Lyon, qui a vocation évidemment à rassembler tout cet enseignement supérieur, dont l'Institut catholique est membre associé. Eh bien, c'est vrai que l'Université de Lyon tient bien sa richesse,
de la diversité, j'y insiste beaucoup, de la diversité et de la complémentarité de ces établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Et la convention qui lie l'Université de Lyon et l'Institut catholique a été adoptée il y a à peine quelques jours, s'inscrit bien d'abord dans une histoire commune, mais aussi dans une vision partagée et un engagement commun sur des valeurs essentielles qui sont celles de la liberté, de la recherche, de l'enseignement et de la création, de la rigueur et de la qualité de la production scientifique, de la responsabilité sociale aussi de l'enseignement supérieur. Excusez-moi. De la garantie d'accès aussi du plus grand nombre aux savoirs et aux outils de la connaissance, enfin de la défense et de la promotion des sciences, des humanités et des arts dans la cité. Eh bien, en ce jour d'inauguration et donc de promesse, forcément, je souhaite vraiment que l'Institut catholique poursuive au mieux ses missions avec les autres établissements d'enseignement supérieur du site Lyonno-Stéphanois, poursuivre aussi ses engagements, et il pourra désormais le faire, évidemment, dans ce cadre tout à fait adapté. Merci à tous. Et merci au recteur Magnin d'avoir pensé à mes heures de loisirs. Je vais pouvoir lire. Oui, une belle histoire. Merci, merci beaucoup Monsieur Magnin, Madame Moulin-Civil, pour ce mot d'introduction. La personne que nous allons écouter maintenant est membre de l'Académie française, auteur de nombreux essais philosophiques et d'histoire des sciences, dont son dernier et 60e ouvrage paru, Le gaucher boiteux, puissance de la pensée, aux éditions Le Pommier. Il vient aujourd'hui nous présenter sa conférence intitulée Innovation et ouverture. Je voudrais simplement rappeler qu'il n'y aura pas, à la suite de cette conférence, de questions-réponses pour une question de timing, mais n'hésitez pas à aller voir M. Serre à la sortie de cet amphithéâtre, à la suite de cet événement, pour lui poser des questions, et également pour une séance de dédicace de ses ouvrages. Et Mgr Barbarin viendra, à la suite de cette conférence, réagir à ce que M. Serre nous dira. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Michel Serre. Si d'aventure vous passez par Paris, et en particulier par le 15e arrondissement qui forme le sud-ouest de la capitale, vous ne pourrez pas manquer une station de métro qui s'appelle Boussicault. Boussicault, c'est un nom propre, assez peu connu, bien moins connu, bien entendu, que celui d'Alain Mérieux, mais tout de même assez connu pour qu'on sache que Boussicault est un inventeur, un innovateur. Et, mais qu'a-t-il inventé? Mais il a inventé une institution où nous allons tous plus ou moins deux ou trois fois par semaine, donc qui pour nous est tout à fait familière. C'est le grand magasin, ce qu'on appelle aujourd'hui la grande surface. Et Boussicault l'a instauré dans un endroit qui est encore présent dans le centre de Paris, qui s'appelle le Bon Marché. D'ailleurs, j'ai un peu feuilleté l'histoire de cette affaire, je me suis demandé si le Bon Marché avait été construit sur une prison préalable, mais peut-être. Mais peut-être. Et voilà que Boussicault invente le Bon Marché, et je vais essayer avec vous de regarder de près quels sont les actes et les pensées qui ont guidé Boussicault pour innover, pour inventer cette institution qui nous est familière, qui s'appelle une grande surface. Ben, c'est très simple. Il a commencé par maximiser la surface, tout simplement. Au lieu d'avoir une boutique de quelques mètres carrés, il a investi sur des centaines et des centaines de mètres carrés sur plusieurs étages. Ce qu'on voit encore au centre de Paris, je le répète, au lieu dit le Bon Marché. Il a donc maximisé du point de vue de l'espace, mais il a minimisé aussi. Parce que si vous vous mettez à la place du chaland ou de la ménagère, au lieu de faire des centaines de mètres, voire des kilomètres dans la rue, pour aller de l'épicerie au magasin de vêtements, du magasin de vêtements à la pharmacie, de la pharmacie, etc.,
il a minimisé le parcours et en effet, en maximisant d'abord l'espace et le nombre des boutiques, il a minimisé évidemment l'effort donné par la ménagère ou le chaland pour acheter ce qu'il voulait. Voilà. Voilà, très bien. Je le répète, il aurait pu mettre ça sur une prison. Et d'ailleurs, vous qui avez fait une université sur une prison, vous devriez mettre sur l'entrée ce mot célèbre de Victor Hugo, qui est tout à fait connu. Ouvrir une école, c'est fermer une prison. Ouvrir une école, c'est fermer une prison. Et c'est un mot qui devrait vous servir presque de devise ou de mot pour entrer. Bon, donc, comme vous ouvrez demain votre université, Boussicot ouvre son grand magasin. Et il ouvre son grand magasin. Bien entendu, je le répète, il avait groupé dans cette grande surface l'alimentation, le vêtement pour hommes, pour femmes, pour enfants, la bijouterie, la parfumerie, et puis la quincaillerie pour les outils. J'en nommais certainement. Il les avait bien classés, comme vous avez classé, vous, les sciences humaines, le droit, la théologie, la biologie, etc. C'est bien classé. Et par conséquent, il ouvre, comme vous allez ouvrir demain. Et le succès ne se fait pas attendre. D'ailleurs, on a un mot de Boussicot disant « j'organise l'émeute ». C'est une émeute, les gens rentrent et sont tout à fait contents d'aller acheter dans cet endroit nouveau qui maximise donc et minimise, etc. Très bien, grand succès. Le succès d'ailleurs ne se dément pas. Il continue des semaines, des mois, voire un an ou un an et demi. Et voilà que intervient un épisode nouveau. Boussicot s'aperçoit que, quel que soit le succès qu'il ait obtenu, il s'aperçoit, dis-je, que son chiffre d'affaires plafonne. Au début, il croissait, et puis il atteint tout d'un coup un maximum, et il ne quitte plus ce maximum. Donc il plafonne. Et il se dit avec un peu d'inquiétude qu'il n'avance pas recul, et j'aimerais bien changer quelque chose pour que mon chiffre d'affaires se remette à croître. Et tout d'un coup, un matin, saisi d'une intuition soudaine, il rassemble tous ses employés et il leur dit « J'ai décidé cette nuit de bouleverser le classement. Vous allez complètement mélanger l'alimentation avec le vêtement avec les outils, et les outils, etc. » Et les employés se révoltent et lui disent « Enfin, monsieur Boussicot, vous courez à la ruine, maître du désordre, cet ordre parfait, c'est une erreur majeure. « Non, non, dit Boussicot, je veux que vous fassiez ainsi. » Et donc, les employés, avant l'ouverture, mettent du désordre dans cet ordre parfaitement mis en place dans les années précédentes, et on ouvre de nouveau le magasin. Que se passe-t-il? Mettons-nous maintenant à la place de la ménagère ou du chaland qui rentre bon marché pour la première fois, une fois ce désordre accompli. Mais la ménagère était venue pour acheter la botte de poireaux, par exemple, pour la soupe du soir. Très bien. Ah oui, mais se dirigeant vers le rayon d'alimentation, elle passe par le rayon vêtements et elle s'aperçoit qu'il y a là des chandails et elle s'aperçoit que son enfant a déchiré le sien à la récréation. Ah bon, il faut que j'achète un chandail pour mon fils. Elle achète un chandail. Et puis, poursuivant sa recherche de la botte de poireaux, c'est-à-dire de l'alimentation, elle passe par la quincaillerie et elle s'aperçoit que son mari râlait la veille parce qu'il avait besoin d'une clé à pipe pour arranger une robinetterie qui perdait dans la cave. Il n'avait pas de clé à pipe. Elle achète une clé à pipe. Et ainsi de suite. Et elle arrive enfin à la botte de poireaux. Ah oui, mais elle avait acheté 3, voire 4 ou 5 choses et pas une. Et par conséquent, le chiffre d'affaires bondit. Et par conséquent, ajouter ce désordre à l'ordre établi, qu'est-ce que vous feriez, monsieur le recteur, si vous mélangiez le droit à la biologie à la théologie aux sciences humaines, etc. Peut-être auriez-vous la chance de trouver des inventeurs. Et c'est ça que je veux démontrer. C'est-à-dire que là,
Boussicaut a eu une intuition de génie, et son génie n'était pas, contrairement à ce que vous croyez, d'avoir maximisé la surface, maximisé le nombre des boutiques ou minimisé le parcours de la ménagère, qui ne sont finalement que des poussées quantitatives, pas plus que ça. Mais l'idée profonde de bouleverser l'ordre de ce qu'il présentait au public, alors ça, c'est une idée doublement géniale. Premièrement, il se mettait enfin à la place du client, comme vous allez peut-être vous mettre un jour à la place de l'étudiant, n'est-ce pas ? Il se mettait à la place du client. Et se mettant à la place du client, il raisonnait, lui évidemment, en termes de chiffre d'affaires. Mais il présentait à cette cliente ou à ce chaland, il présentait un paysage qui, au lieu d'être classé, attention, analytiquement, était d'une certaine manière bouleversé pour favoriser des traversées inédites. Et par conséquent, la cliente qui rentrait dans le grand magasin, elle trouvait quelque chose qu'elle ne cherchait pas. Vous entendez ? Elle trouvait quelque chose qu'elle ne cherchait pas. Et ça, c'est peut-être une des clés intéressantes lorsqu'on parle d'innovation. Boussicaut n'est pas génial pour avoir maximisé ou minimisé des quantités pures, mais pour avoir inventé, pour avoir bifurqué. Il a complètement bifurqué, de l'ordre est passé au désordre, alors que tout le monde était contre cette intuition-là, c'est-à-dire à la fois les conseillers, les commerciaux et les employés. Et il a pris une bifurcation. J'appelle ça dans mon livre, il a un peu boité, et il a pris une bifurcation, une idée parfaitement imprévue, imprévisible, originale, etc. Mais c'est celle-là précisément qui a fait l'innovation. Et donc, l'inventeur ou l'inventrice, c'est pas Boussicaut, c'est la ménagère. La ménagère qui, elle, trouve ce qu'elle ne cherchait pas. Elle trouve le chandail et non pas la botte de poireaux. Elle trouve la clé à pipe, mais elle achète les trois. Très bien. Trouver ce qu'on ne cherchait pas. Est-ce que cet exemple qui est pris, si vous voulez, dans la vie ordinaire ou dans la vie commerciale ou dans la vie, si vous voulez, économique, est-ce que je peux prendre du recul et lui donner le statut d'une généralité? Oh, je peux prendre d'autres exemples, c'est sûr. Voyons, réfléchissons un peu aux grandes inventions des temps modernes. Voyons, Christophe Colomb découvre l'Amérique. Bon, et considérons Christophe Colomb avant qu'il appareille de ce port espagnol. C'était un géographe de talent, c'était un astronome érudit, c'était un homme qui connaissait parfaitement la cartographie ou l'océanographie des mers, et par conséquent, il est parfaitement expert, et il partait pour découvrir l'Asie, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, il savait que pour atteindre l'Asie, il fallait passer par l'Est, comme tous les navigateurs précédents, mais comme la Terre était ronde et qu'il le savait parfaitement, il disait « je vais attraper l'Asie par l'Ouest ». Et d'ailleurs, c'était si vrai que pendant très longtemps et maintenant encore, on appelle les habitants de ce pays des Indiens, comme si c'était l'Inde. On disait les Indes galantes, on disait les Indes occidentales. On pensait que c'était encore l'Asie. Il y a même, je crois, un quartier à Montréal qui s'appelle la Chine pour cette raison-là. Et donc, il était persuadé d'aller en Asie et il découvre l'Amérique. Il découvre ce qu'il ne cherchait pas. Et par conséquent, l'exemple que je prends dans l'économie type Boussicaut, je le retrouve dans les grandes découvertes telles qu'elles, on les appelle ainsi depuis le XVIe siècle. Mais prenons encore du recul, est-ce que c'est vrai pour l'invention scientifique en général ? Prenez une des grandes inventions de l'histoire des sciences, par exemple celle d'Isaac Newton qui invente l'attraction universelle, mais peu de gens savent qu'Isaac Newton était, je ne dirais pas un chimiste, parce que la chimie n'existait pas à l'époque, il était un alchimiste. Et il cherchait dans le petit, c'est-à-dire dans les laboratoires, il voulait résoudre une question pendante qui a été pendante très longtemps de l'histoire de la chimie, mais pourquoi donc certains corps
réagissent entre eux et pourquoi certains corps ne réagissent pas entre eux, ce qu'on appelle d'une certaine manière l'affinité de pluie. Il cherchait ça. Et puis, voyant tomber une pomme, comme raconte l'histoire, il applique cette idée d'attraction, d'attraction entre les corps, non pas au nano-détail de la chimie la plus fine, mais au contraire dans les grands corps, les grandes masses de l'univers, la Terre, la Lune, les étoiles, et ainsi de suite, et il découvre l'attraction universelle. Il a découvert ce qu'il ne cherchait pas. Il a découvert ce qu'il ne cherchait pas. Et par conséquent, lorsqu'on vous dira, mesdames, messieurs, qu'il y a une méthode pour trouver de l'innovation, n'en croyez rien. Le mot « méthode » veut dire en grec la route, la voie, le chemin. L'autoroute A6 va toujours à Lyon, il n'y a pas de doute. Et vous, si vous prenez l'autoroute A6, vous irez à Lyon. Et c'est la bonne méthode pour aller à Lyon. C'est même la meilleure méthode, ou le TGV, pour aller à Lyon. Mais ça ne vous permettra pas d'inventer quelque chose d'autre. Vous allez à Lyon comme Christophe Colomb voulait aller en Asie, mais vous allez en Asie et non pas en Amérique. Vous n'avez pas bifurqué. Et par conséquent, il n'y a pas de méthode pour inventer, ça c'est certain, comme il n'y a pas de martingale pour gagner à tous les jeux. Depuis le théorème de Poincaré sur la ruine du joueur, on sait très bien qu'il n'y a pas de martingale pour gagner. Par conséquent, une méthode, c'est une recette, tout simplement. Mais la recette, ça permet de résoudre des problèmes qui sont déjà résolus, de découvrir des théories qui sont déjà là. C'est une recette. Alors, la recette de la tarte tatin, si vous la suivez de près, vous donnera toujours une bonne tarte tatin, mais vous ne donnera jamais autre chose. Mais oui, mais comment on fait les sœurs tatin pour inventer la tarte tatin? On raconte tout simplement que... une des deux a eu un mauvais geste, elle s'est trompée, elle a mis la tarte à l'envers, hein, vous vous rappelez de ça. Et par conséquent, elle était maladroite. Ah, ça tombe bien. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il était boiteux, celui qui bifurquait. Maintenant, il est maladroit, c'est-à-dire un peu gaucher. Oui. Vous voyez. Vous voyez donc que ces questions-là sont intéressantes parce que vous croyez peut-être qu'il y a des méthodes pour innover ou pour inventer. Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est pour ça que j'ai plutôt créé ce personnage étrange que j'appelle gaucher boiteux, qui serait en gros celui qui bifurquerait et qui serait toujours dans une minorité qui voit le monde autrement. Très bien. Mais la question que vous vous posez maintenant, et que je pose à votre place, c'est, mais enfin, monsieur Serre, pourquoi vous prenez ces exemples-là, ces exemples de Boussicault, les exemples de Christophe Colomb, les exemples de Newton ou de la table des sortes, à la rigueur, et pourquoi les prenez-vous, pourquoi posez-vous des problèmes concernant l'innovation, l'invention, la nouveauté imprévisible? Eh bien, pour la raison suivante. C'est que nous vivons aujourd'hui une période extrêmement particulière. Nous vivons vraiment, sous l'influence de telle et telle chose que j'ai dit longtemps dans mes livres, une sorte de bascule de culture, une évolution de civilisation si profonde qu'il est infiniment probable que toutes les méthodes que nous avons apprises ne marcheront pas dans un monde qui se renouvelle. C'est le monde entier qui bascule, c'est le monde entier qui se renouvelle, et par conséquent, dans ce monde qui est en train de s'acheminer vers des nouveautés imprévisibles, il est bien évident que la seule question qu'on doit se poser, c'est celle de l'innovation, de l'invention, de la découverte du nouveau, de l'adaptation qu'on peut avoir à ce nouveau monde qui est en train d'arriver. Mais vous me diriez, mais vous pensez vraiment que ce monde est en train... Mais oui, oui, voyons, essayons de nous placer sur le terrain, disons, médical. Lorsqu'un organisme change brutalement, eh bien, il arrive, disent les médecins, que cet organisme entre en crise. On appelle ça une crise. Et bien entendu, vous avez entendu comme moi partout qu'il y a des crises qui affectent à peu près tous les domaines que nous connaissons aujourd'hui. Il y a des crises financières, il y a des crises commerciales, il y a des crises politiques, il y a des crises religieuses, il y a des crises de tous ordres. Et ces crises
montre bien qu'il y a quelque chose qui se passe dans la totalité du monde actuel. Et je reprends maintenant la métaphore médicale. Lorsqu'un organisme est en crise, une crise de cœur par exemple, une crise d'asthme, une crise sévère d'un organe donné, il y a eu une découverte assez récente sur cette question. C'est que on s'est posé, une fois que la crise passait, on s'est posé la question de la guérison, à supposer que l'organisme se délivre de la crise, qu'il ne meurt pas. Ou il meurt, ou il guérit. Et on s'est posé la question, qu'est-ce que cette guérison ? Et il y a ici suffisamment de biologistes et de médecins, je suppose, pour savoir ce que c'est que cette guérison. Mais ce qu'ils savent, c'est que cette guérison, ce n'est jamais le retour au statu quo ante, ce n'est jamais le retour à l'état précédent. Parce que si c'était le retour à l'état précédent, les mêmes causes produisant les mêmes effets, l'organisme rentrerait de nouveau en crise. Et par conséquent, l'organisme a cette vertu tout à fait extraordinaire et qui est peut-être profondément la définition la plus subtile qu'on puisse avoir de la vie, c'est que l'organisme invente un nouvel état. Il invente un état qui est en dehors de la crise. Et par conséquent, là aussi, il y a une bifurcation. L'organisme après la crise n'est plus le même, globalement parlant, que l'organisme avant, dont la guérison n'est pas le retour au statu quo ante, c'est effectivement une innovation, une invention, et nous retombons sur le même problème. Voilà. Et bien entendu, ces crises que vous entendez, tenez, je vais vous proposer une innovation. On dit de moi que j'essaie de faire des livres de philosophie. Philosophie. Et on dit de ces gens-là qu'ils sont des philosophes. Et on définit la philosophie généralement comme l'amour de la sagesse. Serais-je plus sage que les gens présents ici ? Je l'ignore. Je me doute même que ce n'est pas vrai. Mais je voudrais dire que pour ce qui me concerne, j'entends les crises que vous entendez tous aujourd'hui comme les cris d'une parturiente qui est en train d'accoucher. C'est-à-dire, en effet, dans cette bascule de monde, il y a un nouveau monde qui est en train d'émerger. Eh bien, je donnerais volontiers au mot « sagesse » qu'on utilise dans le mot « philosophie » le même sens qu'il a dans cet admirable métier qu'on appelle « sage-femme ». La sage-femme aide la parturiente à accoucher du nouveau-né. Et le métier de philosophe aujourd'hui, je le crois, ça serait d'aider précisément ce monde moderne à émerger, à accoucher, à arriver à la lumière à travers les crises que nous sommes en train de traverser. Donc, j'espère presque mon idéal de vie, c'est de devenir sage-femme. Voilà, devenir sage-femme. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai essayé d'accoucher de personnages très simples comme Petite Poussette ou le Gaucher Boiteux, qui sont des personnages qui sont nés, la première pour symboliser précisément le monde dans lequel la génération suivante est en train d'entrer, ce monde qui est impliqué par les nouvelles technologies. Voyons, moi qui suis un peu plus vieux, j'utilise avec beaucoup d'aisance, évidemment, ces nouvelles technologies. J'ai été formé à ça parce que j'ai vécu 50 ans dans la Silicon Valley, c'est très bien. Mais ce n'est pas vrai, c'est pas vrai. Je suis, parce que je suis, moi, un vieillard, je suis adapté à ces nouvelles technologies, mais je ne vis pas dans le monde impliqué par ces nouvelles technologies. Et Petite Poussette vit dans le monde impliqué par ces nouvelles technologies. Voilà là le nouveau monde qui est en train d'arriver. Et une fois que j'ai compris qu'il y avait cet accouchement, cette espèce de parturition du nouveau monde, je me suis dit, alors il faut que je comprenne ce que ça peut être fait, effectivement, l'innovation, l'invention. Et c'est pour ça que j'ai commencé par analyser les inventions de ce genre. Je reviens maintenant un peu à l'histoire de Boussicault. Et vous vous rappelez, dans l'histoire de Boussicault, et j'ai dit d'ailleurs que ça s'appliquait tout à fait à l'université que vous êtes en train d'ouvrir, et à toutes les universités en général, vous avez remarqué qu'il y avait un classement au départ. L'alimentation, le vêtement, la parfumerie, la quincaillerie, tout ce que vous voulez, et qu'il a bouleversé le classement.
Et en bouleversant le classement, il a obtenu les résultats que j'ai décrits. Et voyons, est-ce qu'on peut bouleverser les classements pour inventer? Je vais vous raconter une histoire qui m'est presque personnelle, parce que j'y ai presque assisté, je n'y ai pas assisté vraiment, mais j'y étais. La scène se passe à l'école normale supérieure dans les années... Oh, c'était le néolithique tardif, c'était 52-53. Et l'école normale a cette particularité, qui est d'ailleurs répétée à l'école normale de Lyon, de la même façon, c'est qu'il y a un mélange entre les littéraires et les scientifiques. Et bien entendu, on se rencontre dans les équipes de basketball ou à la gymnastique, et on mélange les physiciens, les latinistes, etc. Et en particulier, au restaurant. Et la scène se passe au restaurant, et à la table du restaurant, c'était donc 52-53, je m'en souviens parfaitement, il y avait 7 scientifiques et un littéraire. Ça peut arriver, les mélanges sont à titre divers. Et les 7 scientifiques sortaient de leur labo, physiciens, chimistes, même mathématiciens, et ils faisaient l'éloge des nouvelles machines qu'ils venaient de recevoir des États-Unis. Et ces machines, qu'on appelait les computers, étaient de grosses machines, qui aidaient énormément les scientifiques dans leurs travaux d'expérimentation. Et ils faisaient l'éloge des performances de cette machine. Et tout d'un coup, l'un d'entre eux dit, comment on pourrait traduire, c'était l'époque quand même où on traduisait l'anglais en français, c'était l'époque bénie où on croyait encore à la langue française. Maintenant, on n'y croit plus, tout le monde est en anglais, maintenant. D'ailleurs, vous avez, je crois que c'est l'Université of Lyon, n'est-ce pas? Affreux. Bon. Alors. C'est toujours d'ailleurs un anglais macaronique, forcément. Et donc, un des physiciens dit, mais comment traduire computer? Et la meilleure traduction de computer, ça serait compteur. Or, ce mot est pris, évidemment, pour le gaz et l'électricité. Alors, comment l'appeler? Ah, toi qui es littéraire, tu dois être spécialiste des mots. Et tu vas nous expliquer, tu vas nous dire quel est le mot que tu peux imaginer pour ça. Et le littéraire qui était profil bas répond, oh, vous savez, mes camarades, je suis spécialiste du latin tardif, tel qu'on l'utilisait au XIIe siècle dans le haut Moyen-Âge, en théologie scolastique. Alors, les physiciens disent, vous voyez, l'humanisme, ça ne sert à rien, les humanistes. À quoi tu peux nous servir, pauvre imbécile, alors que ta spécialité... Et il continue à faire l'éloge du computer, n'est-ce pas, tout en ne sachant plus encore comment le traduire. Et tout d'un coup, ils s'aperçoivent que le littéraire les écoute d'un œil de plus en plus brillant, d'une oreille de plus en plus attentive, et soudain, avant le dessert, les interrompt et leur dit « Écoutez, mes camarades, je crois savoir très bien ce que vous dites. »« Comment? Tu sais très bien ce que nous disons ?»« Oui, dit-il, vous êtes en train de beaucoup m'aider dans la rédaction de ma thèse. »« De ta thèse ?» disent les physiciens et les chimistes. Oui, dit-il, j'ose pas le dire, mais je fais ma thèse sur la manière dont Dieu ordonne le monde, pondere, mensura, numero. Vous m'excuserez de parler latin, vous m'excuserez auprès du ministère de l'Éducation nationale de parler latin. Ouais. Alors, pondéré, mensura, numéro, ça veut dire par poids, n'est-ce pas, par volume, par poids, par mesure, et numéro, par chiffre, par nombre. Ah oui, mais c'est le numérique, dit le latiniste, c'est ça le numérique. Et vous savez quel est le titre de ma thèse? Ah non, disent les scientifiques un peu interloqués, ça s'appelle « Deus ordinator ». C'est pour ça, mesdames, messieurs, que votre machine s'appelle un ordinateur.
Vous voyez donc que dans le mélange à la Boussicault, ou le mélange que je vous propose dans votre université, le mélange est intéressant parce que tout d'un coup, vous avez vu le court-circuit géant qui s'est passé de façon imprévisible, de façon impossible à prévoir, n'est-ce pas, entre la science la plus avancée et la théologie la plus reculée, enfin, à leurs yeux, vous voyez. Et tout d'un coup, ça donne le mot ordinateur que nous utilisons absolument tous les jours. Et d'ailleurs, le mot ordinateur en français est très, très supérieur au mot computer. C'est de loin pas seulement une machine à calculer, mais une machine autrement plus complexe, qu'on peut en effet appeler plutôt ordinateur que computer. Vous voyez donc que là, dans ces rencontres inattendues, n'est-ce pas, un peu à la Boussicault, ou un peu à la Christophe Colomb, ou un peu à la manière de Jacques Perret, c'est le nom du latiniste en question qui a inventé le mot ordinateur. Il est peu connu, hélas, il est moins connu en effet qu'Alain Mérieux de nouveau, n'est-ce pas. Mais il a inventé quand même le mot ordinateur, comme Boussicault avait inventé le grand magasin. Alors vous voyez que là, quand on essaie de comprendre ces affaires de bifurcation, ces affaires de maladresse, n'est-ce pas, et de rencontres inattendues, on s'aperçoit que les problèmes de classement, les problèmes d'analyse sont probablement un peu désuets. Probablement un peu désuets. Ils sont désuets pourquoi ? Ils sont désuets en raison même des pouvoirs de l'ordinateur. Une des caractéristiques de l'ordinateur, c'est le traitement des grands nombres. Or, aujourd'hui, nous sommes tout le temps devant des grands problèmes qui impliquent des grands nombres. C'est-à-dire, par exemple, les grands problèmes d'aujourd'hui, je ne sais pas, moi, le problème climatique, mais si on en parle tout le temps dans les journaux depuis quelques semaines, le problème climatique, voyons, comment le résoudre ? Ah, mais vous savez, c'est un problème de physique du globe, c'est un problème de climatologie, bien entendu, c'est un problème de chimie, à cause du CO2 et d'autres questions, c'est un problème de biologie, bien entendu, à cause des espèces menacées ou disparues, c'est un problème économique, bien entendu aussi, c'est un problème politique, c'est un problème médiatique, c'est-à-dire, toutes les disciplines sont là, qui sont requises pour essayer de résoudre ce problème. Et si vous coupez... Si vous coupez les disciplines en morceaux, si vous coupez les affluents en morceaux, vous n'aurez jamais le confluent qui vous permet de résoudre la question. Et d'ailleurs, ce qui est vrai pour le climat, qui est un problème, disons, de sciences dures, est vrai pour les questions de sciences humaines ou des questions, si vous voulez, qui sont aujourd'hui du domaine du politique. Par exemple, le problème du chômage, par exemple. Ben, c'est vrai, ça touche à la fois le ministère de l'économie, le ministère des finances, évidemment, mais le ministère de la jeunesse et des sports, de la jeunesse, évidemment, le ministère de l'éducation nationale, ça touche absolument tous les ministères. Le problème du chômage est un problème global. Nous sommes aujourd'hui devant des problèmes globaux, et évidemment, la bascule de culture dont je parlais, c'est pas seulement lié à la mondialisation, mais c'est lié au fait que les grands problèmes aujourd'hui sont des problèmes de cette dimension, qui exigent des traversées du savoir, qui exigent des traversées de compétences, qui exigent des synthèses. Et mon livre sur le gaucher boiteux est un éloge de la synthèse. C'est-à-dire, on ne résoudra toutes ces questions-là que, je crois, si on enlève de notre esprit non seulement l'idée que la méthode peut inventer, ça, maintenant, vous êtes persuadés que... je l'ai essayé assez dit, mais que l'analyse fine peut résoudre ces questions. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans un moment où peut-être les méthodes analytiques sont un peu perdues. Bien. Et donc, au lieu de faire des analyses de ce genre, je le répète, j'ai essayé de décrire des personnages qui sont des modèles de synthèse, puisque j'ai décrit, disons, Petite Poussette pour ce que j'ai dit tout à l'heure, ou le gaucher boiteux. Très bien. Mais ces personnages, l'avez-vous remarqué ? Tout à l'heure, je l'ai fait exprès. J'ai dit que Boussicault n'était pas un grand inventeur parce qu'il avait ou maximisé la surface, ou maximisé le nombre des boutiques, ou minimisé le parcours du combattant, le parcours du chaland.
Et ça, c'était simplement des avancées quantitatives. Mais là où il était génial, au contraire, c'est justement parce qu'il avait inventé quelque chose de qualitativement différent, c'est-à-dire mettre du désordre dans l'ordre. Et par conséquent, là, je voudrais vous inviter à considérer que le héros de l'invention, c'est pas le plus beau, c'est pas le plus fort, c'est pas celui qui va le plus vite, c'est pas celui qui saute le plus haut, c'est pas celui qui a la médaille olympique, c'est pas le plus riche, etc. Non. Profil bas. Petite poussette. Le gaucher, le boiteux. Vous remarquez ? C'est-à-dire, ce ne sont pas des Superman. Ce ne sont pas des héros à la manière de Hollywood. Non. L'inventeur... Et pourquoi il est comme ça, l'inventeur ? Ben, il est comme ça pour une raison vraiment qui va vous convaincre tout de suite. C'est que dès qu'une invention ou une innovation apparaît, elle n'est presque jamais reconnue. Quand vous lisez dans la publicité pour telle et telle compagnie, nous sommes des innovants, n'en croyez pas un mot, bien entendu. Non, parce que s'ils étaient innovants, ils feraient faillite. Et bien sûr, c'est-à-dire l'innovation est très difficile à percevoir. La plupart des inventeurs que je connais en histoire des sciences ont très mal vécu. Je ne sais pas, Lavoisier est vraiment le grand inventeur de la chimie moderne, on lui a coupé le cou à la Révolution, tout simplement. Et puis, mille autres exemples, lorsque Wegener a découvert la théorie des plaques, personne ne l'a cru. Vous devriez lire la thèse de médecine de Louis-Ferdinand Céline, qui raconte l'histoire de... Un accoucheur, décidément, sage-femme accoucheur, d'un obstétricien de Vienne qui s'appelait Semmelweis et qui avait sous ses ordres deux cliniques. L'une tenue comme infirmier par les étudiants en médecine et l'autre tenue par les bonnes sœurs. Et vous savez qu'à cette époque-là, la fièvre puerpérale faisait des ravages dans les accouchements. Il y avait beaucoup de femmes qui mouraient en couche. Il avait observé que dans une de ces cliniques, il y avait moins de morts que dans l'autre. C'était celle où c'était les bonnes sœurs. Ils ne pouvaient pas imaginer que c'était parce qu'ils priaient le bon Dieu qu'il y avait moins de morts. Ils ne pouvaient pas imaginer ça. Et par conséquent, il a fait des études et il a cherché pourquoi. Et il s'est aperçu d'une chose extraordinaire, c'est que les étudiants en médecine ne se lavaient jamais les mains entre le moment où ils découpaient les cadavres et le moment où ils accouchaient les femmes. Et par conséquent, il leur a dit « Lavez-vous les mains ». Et à ce moment-là, le nombre des femmes mortes a beaucoup chuté. Il a été évidemment chassé de la clinique à cause de cette innovation. Il a été rayé des cadres de l'ordre des médecins. Il a eu une vieillesse épouvantable, il a été exclu. Il avait dit « Lavez-vous les mains ». Il avait inventé l'hygiène. Et ça nous paraît, nous, extraordinaire que... Et j'ai mis très longtemps à comprendre la thèse de Louis-Ferdinand Céline sur cette innovation-là. J'ai mis très très longtemps à comprendre, et je crois que c'est très difficile à comprendre, pourquoi les médecins d'alors avaient considéré que se laver les mains était une mauvaise solution. Et si vous vous mettez dans l'esprit de l'époque, vous vous apercevrez que c'est à partir de l'eau que venaient toutes les infections. Et que par conséquent, manipuler l'eau, c'était dangereux. Et que d'une certaine manière, la crasse qu'on avait sur soi était une sorte de cuirasse qui protégeait de l'eau, c'est-à-dire des infections. C'est-à-dire qu'ils avaient un monde complètement différent de celui dont Semmelweis tout d'un coup a l'intuition et que Pasteur, quelques dizaines d'années après, va confirmer. Vous voyez donc que là, l'innovation est très intéressante parce qu'elle met complètement en échec une vision du monde, une vision du corps, une vision de l'organisme tout à fait différent. Voilà. Voilà, en gros, je voudrais revenir un peu quand même sur le fait que nous sommes dans une période où l'ordinateur peut gérer des grands nombres, des grandes populations. Et je voudrais insister là-dessus parce que cela crée une nouvelle manière de... une nouvelle vision, une nouvelle... entendement concernant la connaissance. En effet, aujourd'hui, les performances des instruments d'observation et l'ensemble des échanges que nous avons a fait croître de façon
absolument vertical le nombre des données. Nous sommes en disposition d'énormément de données. Et aujourd'hui, un des grands problèmes de ce jour, vous le savez, est un problème juridique. Qui sera propriétaire des données ? Qui sera propriétaire des données personnelles ? Donc on a un très grand nombre de données. Alors voilà. Vous croyez qu'en ce moment, que la carte d'identité de votre personne, de ma personne, de l'identité personnelle, c'est plutôt l'ADN qui donne cette identité plutôt que le nom Michel Serres. Michel Serres, il y a beaucoup de Michel, il y a beaucoup de Serres, il y a beaucoup de Michel Serres, et par conséquent, c'est plutôt mon ADN qui va créer l'identité. Non, il y a mieux. Il y a mieux aujourd'hui. Vous le savez sans doute, un organisme est fait de milliers de milliards de cellules. Eh bien, ces milliers de milliards de cellules sont les hôtes de 10 puissance 3 ou 4 plus de bactéries qui les recouvrent ou les habitent. Et par conséquent, nous avons sur nous un paysage bactérien extraordinairement différencié. Mais au-dessus de ces bactéries, on a découvert assez récemment qu'il y avait 10 puissance 3 ou 4 virus en plus des bactéries. Et on pense maintenant qu'une personne est caractérisée vraiment personnellement par ce paysage viral, qu'un jour peut-être on pourra dessiner, qu'un jour peut-être on pourra voir, que ce paysage viral définit la personne. Vous voyez donc aujourd'hui, la science évolue de ce que j'appelais tout à l'heure une sorte d'abstraction, si vous voulez, vers l'individu. Vers l'individu. Et là, ça fait un changement de monde extraordinaire. Les grands nombres, et plus il y a de grands nombres, plus il y a de données, plus on peut s'orienter vers l'individu personnel. Vous voyez ? Autrefois, des amis avaient écrit une encyclopédie médicale et ils m'avaient demandé de la préfacer. Et j'avais été très heureux de la préfacer parce que j'aime beaucoup la tête médicale, la tête biologiste. La tête, c'est une tête très spéciale. Vous savez, les littéraires ont une tête de l'originalité des œuvres qu'ils étudient, de la spécificité, etc. Le scientifique a une tête plus abstraite, plus générale, plus universelle, très bien. Mais le médecin, il a deux têtes. Il a la première et la seconde. Il a la première tête du scientifique, de celui qui connaît les maladies, qui connaît, etc. Et il a la seconde tête, la tête de celui qui s'apitoie et qui se penche vers le blessé ou le malade ou le patient. Et il a la tête, si vous voulez, de Jacques Monod, disons, le biologiste, et puis la tête d'Albert Schweitzer, qui, lui, se penche vers les miséreux d'Afrique. Et donc, il y a cette dualité, et très intéressante, parce qu'elle est un peu significative et un peu, caractéristique de notre perception de la science. Il y a une perception dans la globalité, dans la généralité, et une perception vers l'individu. Eh bien, le fait que nous sachions traiter aujourd'hui les grands nombres fait passer tout d'un coup la première tête vers la seconde. Et aujourd'hui, la science la plus avancée est une science de l'individu, est une science du particulier, est une science du singulier. Je ne sais pas, par exemple, si vous ouvrez un ouvrage d'anatomie qui date de mon temps, c'est-à-dire du néolithique tardif, vous verrez que c'est des schémas, le schéma de la crosse de l'aorte ou le schéma... D'un numérus, vous voyez. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Il y a l'IRM de la tête de la crosse de l'aorte d'une jeune fille de 14 ans, d'un vieillard de 80, etc. C'est des singularités, des particularités. Et par conséquent, là, il y a une sorte de dérive vers la singularité, une dérive vers la personne, une dérive vers l'individu. Et ça, je le crois, mesdames, messieurs, c'est une période tout à fait extraordinaire que nous vivons, d'abord parce qu'il y a ce changement cognitif, ce changement de connaissances, mais aussi il annonce une autre chose sur laquelle je terminerai et sur laquelle je termine mon livre que j'ai appelé « L'âge doux ». Et l'âge doux, D-O-U-X, l'âge doux. Si je le disais en anglais, ce serait mieux « soft », n'est-ce pas ? Oui. Alors, je l'ai appelé l'âge doux à cause de soft. Vous savez que Microsoft, c'est
Ça se vous traduisez ça en français par mini-mou. Ça perd un peu de son prestige. Hein. D'autant plus que ce n'est pas vraiment une vantardise sexuelle, évidemment. Et donc, je dis l'âge doux pour une raison très très simple. C'est que précisément, Petite Poucette, avec les inventions ou les innovations dont je parle, qui sont aujourd'hui légion, nous a fait rentrer dans une période où, en effet, l'ordinateur dont j'ai parlé, les nouvelles technologies dont je parle souvent, et puis, que je sache, le numérique en général, ou le virtuel en général, nous fait rentrer dans une période où le dur a tendance à reculer et que le doux se met en avant. Le soft, hein, n'est-ce pas, par rapport au hard. Hein. Et c'est pour ça que je l'ai appelé l'âge doux. Mais je l'ai appelé l'âge doux pour une autre raison sur laquelle je voudrais finir. C'est la chose suivante. Je suis venu cet après-midi à Lyon, malgré des difficultés personnelles assez fortes, et si par hasard vous avez un jour l'idée de vous souvenir de ma conférence, je voudrais que vous vous en souveniez pour une seule raison, la suivante. Quand vous reviendrez chez vous, soyez gentil, tapez sur l'ordinateur « cause de mortalité dans le monde ». Je répète, quand vous serez chez vous, vous taperez sur l'ordinateur « cause de mortalité dans le monde ». Et vous verrez qu'apparaîtra un tableau des causes de mortalité dans le monde en ordre décroissant, c'est-à-dire les problèmes concernant les maladies tropicales, etc., le cancer, le tabac, etc. Et quelle est la dernière cause de mortalité dans le monde ? La dernière, celle que le tableau en question considère comme, disons, négligeable. Eh bien, la dernière cause de mortalité dans le monde, c'est, dans le tableau, guerre, violence, terrorisme. Et le tableau ajoute un petit chiffre intéressant. Il dit que l'année dernière, 17 citoyens américains sont morts pour cause de terrorisme, aussi bien dans leur pays d'origine qu'au Moyen-Orient. Et 400 000 sont morts à cause du tabac. Et 90 000 à cause des accidents automobiles. Quel est le plus dangereux, mesdames, messieurs ? Philippe Maurice ou Daesh ? Nous vivons beaucoup plus en paix que nous le croyons dans les médias. Nous vivons beaucoup plus en paix que nous le croyons lorsque nous sommes drogués par les médias et que nous entendons partout, tout le temps, des accidents, des morts, des catastrophes, des guerres, etc. C'est vrai, c'est factuellement vrai, mais globalement, c'est faux. Et par conséquent, aujourd'hui, dans ma conférence, j'ai fait deux éloges. L'éloge de la pensée, non pas de la pensée celle qui répète, mais de la pensée innovante, de la pensée inventrice, de la pensée du découvreur, de celui qui bifurque, de ce petit homme ou cette petite femme que j'appelle Petite Poucette ou le Cocher Boiteux, de la pensée vraie, et l'éloge de la paix. Par conséquent, à l'ouverture de votre université, je vous souhaite deux joies plénières, les plus grandes joies sans doute de la vie, la joie de penser et la joie de vivre en paix. Merci beaucoup. Merci.
Merci à Michel Serres pour cette conférence riche en analyse interculturelle et puis en analyse de toutes les interactions qui se passent autour de nous dans le monde et auxquelles on ne pense pas toujours. Je vais peut-être inviter maintenant Monsieur le cardinal archevêque de Lyon, primat des Gaules et chancelier de l'Université catholique de Lyon, Monseigneur Philippe Barbarin, à réagir sur cette conférence. Il y a un passage de l'Évangile, cher Michel Serres, où on voit Jésus dans le temple, et il y a des foules et des foules qui sont là, et on nous dit tout ce peuple était suspendu à ses lèvres. C'est un verbe grec que j'aime beaucoup, et on vient de le vivre d'une certaine manière. Du début jusqu'à la fin, j'ai l'impression qu'on n'a pas perdu une miette. En tout cas, moi, vous m'avez accroché à la très bonne place. À chaque fois que je débarque à Paris, je descends à Sèvres-Bab, voilà. Et donc le premier magasin que je vois, c'est le Bon Marché. Alors, j'étais étonné que vous ne citiez pas la boulangerie, parce qu'elle saute aux yeux, et elle est très appétissante, et c'est elle qu'on voit d'abord, avec plein de bonnes choses à manger. Parce que mes réunions, elles sont toujours dans la rue du Bac, dans la ville de Breteuil, dans la rue de Sèvres. Et puis j'ai fait mon séminaire pendant des années et des années, avant de rejoindre la paroisse de Vincennes, où j'ai servi, où vous vivez depuis des décennies, juste à côté. Alors évidemment au début j'étais un peu perdu parce que je me dis mais enfin dans une université nous faire l'explication d'un grand génie commercial, alors est-ce que c'est vraiment la science, la recherche, enfin où allons-nous? Puis après vous nous avez donné votre grand apophthegmata patrum, donc une vérité qui est absolument essentielle pour nous, pour tout le monde, mais d'abord pour vous, vous l'avez bien fait passer. Dans cette université, cher Thierry Magnin, nous allons trouver ici quelque chose que nous ne cherchions pas. Voilà. C'est en fait très joyeux, c'est vrai. Je me rappelle l'inauguration du local de la place Carnot il y a une dizaine d'années. Et j'ai l'impression que toute la cato a changé. Quand le lieu change, quand on investit un nouvel endroit, c'est toute une maison qui se remet en équilibre. Et je suis sûr que ce sera le cas ici. Donc pas seulement parce qu'on est dans l'amphithéâtre Alain Mérieux, mais quel beau cadeau d'ailleurs. Me disait Alain Mérieux tout à l'heure, regardez ça, avec mon nom dans cet amphithéâtre, on a l'impression que je suis béatifié avant l'heure. Non, mais ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'au moins vous visez les objectifs essentiels, cher Alain. Donc de ça, je vous félicite. Chers amis, vous le savez sans doute, Michel Serres, c'est un grand spécialiste de Tintin, voilà. Donc un grand tintinologue, il a beaucoup pensé, écrit sur ce sujet, c'est un amour qui nous est commun, à l'archevêché de Lyon il y a un musée Tintin, j'aimerais bien qu'un jour vous me fassiez l'honneur de venir le visiter. Et donc pendant que vous teniez votre discours, je me disais, on est dans quel Tintin là? Alors il n'y a qu'un seul Tintin à ma connaissance où il y a des quantités de professeurs d'université, c'est l'étoile mystérieuse, vous êtes d'accord? C'est pas mal d'ailleurs pour le titre de votre conférence. Vous avez fait chercher quelque chose qui est un petit peu comme une étoile mystérieuse. Je n'ai pas du tout envie de vous comparer au professeur Tournesol, vous en doutez. Encore moins au prophète Philippe Pullus qui est là au début. Mais j'ai l'impression qu'on était là autour de vous comme devant un bon professeur Calice. Il est sympathique le professeur Calice. Alors il est entouré de toutes les grandes universités du monde. Il y a Porfirio y Calamares qui vient de Salamanque, il y a Joao dos Santos qui arrive de Coimbra, il y a celui qui arrive de Fribourg en Suisse, etc. Et il les emmène pour une grande aventure. C'est ce qui lui arrive à lui aussi. Il va aller là-bas parce qu'il sait qu'il y a un météore qui est tombé, et il va trouver pas le météore, il va trouver tout à fait autre chose que le météore, il va trouver cet incroyable champignon, assez fantastique. Et j'avais l'impression que dans cette conférence, on était un petit peu conduit par notre cher professeur Calice, content de faire route avec vous. Et vous étiez en train de nous expliquer que peut-être dans le travail accompli à l'intérieur d'une université, il y a une étoile mystérieuse. Vous avez fait rire avec l'utilisation du métier de sage-femme. Il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré un garçon à qui j'ai demandé son métier. Il me dit, je me prépare à être sage-femme. Alors évidemment, ça m'a un peu surpris parce que je suis ignorant. Et il m'a dit non, sapientia de la femme, c'est quelqu'un qui va l'aider dans son accouchement
et il connaît la femme et il va l'aider à vivre ce moment si important. Et je me disais, mais en fait, cette femme que vous connaissez bien, c'est notre société, c'est notre civilisation. Quand vous en parlez comme ça, quand vous entendez ces cris de parturiente, quand vous entendez ces souffrances, finalement, ça résonne assez profond en nous. Et j'ai l'impression que quand on vous écoutait, on écoutait un sage, vous voyez, c'est pas seulement un titre philosophe, c'est quelqu'un qui regarde la société avec un œil malicieux peut-être, mais pénétrant, et qui voit des quantités de choses qu'on est content de découvrir, on dit « ah oui, il a raison, je m'en étais rendu compte, mais je ne me l'étais jamais formulé ». Et vous avez dit des choses qui nous semblaient vraies, parce que vous la connaissez bien, et peut-être surtout parce que vous avez envie de la servir, parce que vous l'aimez, en fait, cette société. Alors, en rentrant chez moi, tout à l'heure, je vais me trouver, comme tout le monde, devant mon ordinateur, tout simplement, et donc je vais prendre des notes, des bonnes notes. Je ne suis pas sûr que j'irai taper là où vous avez dit. Je vais plutôt essayer de noter ce que j'ai entendu ou reçu aujourd'hui de vous. Et j'ai vraiment envie de vous dire merci au nom de tous ceux qui sont ici. Mais comme cette conférence s'appelait Innovation et Ouverture, je voudrais avoir un merci qui soit très ouvert, et un merci qui soit très très large. Parce que franchement, depuis ce matin, on a vécu une quantité de choses extraordinaires, de lumière. Juste avant votre conférence, il y avait ce spectacle éblouissant de danse. Et puis ce matin, il y avait un moment totalement inattendu, qui était vraiment un grand moment de louange et de remerciement et de lumière. Je voudrais dire merci à des foules de gens. D'abord aux étudiants, finalement, parce qu'ils sont la cause de tant d'énergie déployée pour la réussite de ce lieu. Ensuite, à tous ceux qui font le conseil d'administration, l'équipe rectorale et les responsables, comme je les accompagne de près, pas trop de près, parce que c'est vraiment un poids que vous portez, mais enfin quand même, je participe à vos discussions. Je voudrais rendre hommage à votre ténacité, à votre persévérance, à votre énergie, parce qu'il a fallu en dépasser des obstacles, un grand nombre d'obstacles pour arriver à cela. Je sais que l'ancien préfet, M. Géraud, est là, et je me rappelle des derniers moments où vous étiez notre préfet, et quelle énergie vous avez mis, vous aussi, pour que nous réussissions cela. Alain Mérieux aussi, lui, il sait comment il s'est donné, et comment il a fallu trouver énormément d'argent pour réussir cela. Heureusement qu'il était là pour nous aider tous. Pour tout cela, je veux dire vraiment un très grand merci. Il y a des moments où on sentait que le défi risquait de basculer. Et vous n'avez jamais lâché, ni le président, ni le recteur, ni toute l'équipe qui l'entoure. Et vraiment, je suis très, très heureux au père Thierry Magnin et au général Barrier de dire, et à tous ceux qui les entourent, énormes équipes, un très grand et un immense merci. Si Thierry le permet, à cette occasion, j'aimerais bien lui faire un petit cadeau, parce que Thierry, c'est à la fois un scientifique et un prêtre. Et alors, il n'y a pas grand-chose de scientifique chez moi. Et pourtant, il y a quand même une très, très, très belle pièce qui est à l'archevêché que je suis heureux de te donner aujourd'hui, que toi, tu sauras dater, qui doit bien avoir des centaines et des centaines de millions d'années comme un fossile. Et puis, comme c'est un monde de jeunes ici, je voudrais t'offrir ces deux choses. Cette pièce-là et aussi une chasuble des JMJ, un peu comme un cadeau fait à toute la famille. Pour vous ce soir, grâce à la Banque Rhône-Alpes, qui est partenaire principal du Quatuor Debussy ici présent et très attentive aux grands événements qui rythment notre ville, le Quatuor va nous enchanter toute la soirée avec des morceaux choisis par nos intervenants. Depuis sa création à Lyon en 1990 et sa victoire de la musique en 1996, le Quatuor Debussy a su s'imposer sur la scène culturelle lyonnaise d'abord, puis national et maintenant international, à travers un parcours alliant tradition et audace. Nous invitons à présent Monsieur Christophe Colette, premier violon, à nous présenter le premier morceau choisi par Mgr Barbarin. Alors, il faut vite que je parle avant que Mgr Barbarin ait quitté la salle. Monsieur le Cardinal, vous avez accepté que votre
discours soit conclu en musique, et nous en sommes très honorés. Et choisir un extrait musical, c'est un exercice auquel se sont livrés tous les officiels qui vont vous succéder. Et nous vous remercions tous de vos choix que nous avons accueillis avec enthousiasme. Alors nous connaissions ce lieu bien avant qu'il ne devienne cette sublime université, pour y avoir plusieurs fois apporté la bonne parole de la musique classique. Et en recevant toutes vos listes de morceaux pour cette inauguration, nous avons vite compris que vous vouliez, et nous aussi d'ailleurs, rajeunir pour profiter de ce nouveau lieu de savoir et transmission. Vous étiez nombreux à vouloir du Jean-Sébastien. C'est peut-être en fait un message subliminal, je suppose, Jean-Sébastien, Bach. On a une fois, deux fois, trois fois Bach, et puis on a vite compris que c'était repasser votre Bach pour pouvoir s'inscrire au campus Saint-Paul qui vous importait. Alors pour vous, Monseigneur, mention très bien à l'unanimité, si vous le permettez. Quoi de plus symbolique que l'art de la fugue, ce chef-d'œuvre de la musique qui a inspiré, qui inspire encore des générations de compositeurs. Alors si vous le voulez bien, fuguons tous ensemble grâce à Monsieur le Cardinal. Thank you.
Merci, Monseigneur Barbarin, de nous avoir permis de fuguer à travers le choix de cette pièce de Bach. Grâce au quatuor Debussy, nous avons pu fuguer tous ensemble.